Maman, tu sais aussi ce que ça veut dire, nouvelle étagère? Non. Plus de place pour les grosses figurines. Oh non. Je t'aime. Yahoo! On se retrouve aujourd'hui pour un big rangement Mangatech. Donc, vous avez toujours... j'ai commencé avec deux étagères. En décembre 2021, on a mis celle-ci. Et là, il y avait des cubes. Ouais, les cubes blancs, là. Et en fait, depuis, c'est devenu impossible. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié déjà avec papa pour l'avoir pour mon anniversaire. On l'a fait la semaine dernière. On est le 8 août. Tout va bien. Et... on l'a monté aujourd'hui et en plus j'ai réussi à négocier pour vider des casiers de la cave à papa qui est la pièce juste là. Et dans la cave j'ai pu négocier pour vider 3 casiers, ce qui fait à peu près la valeur de 360 mangas, mais en fait c'est pas réellement ça parce que j'ai mis déjà tous mes hentai dans un casier, ça a rempli le casier, que les grands, pas les héros de soleil. Mais tout ce qui est Hot Manga et Daifu sont rangés. Et après, en fait, un casier, je crois que du coup, c'est 50 x 3, un truc comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais libérer la place au niveau des lignes qui sont trop surchargées ici, pour mettre dans là-bas. Et ici, je vais décaler des trucs qui étaient ici, là. Et là, en fait, ça sera pour mettre... Alors, comment dire? Celle-ci sera spéciale pile à lire, principalement. Et celle-ci qui était pile à lire plus, par exemple, là il y a Meiyan. Mais toutes les maisons d'édition comme Meiyan, Naban, Nazca, toutes les petites maisons d'édition comme ça que j'ai commencé à avoir il y a peu, bah, elles vont être ici, dans celle-là. Et ici, ça sera spécial pile à lire. Et qui deviendra au fur et à mesure aussi du normal. Voilà, on l'espère, de virer cette putain de pile. Donc je vous ai pas dit, juste au moment où je commence, il est 17h54, j'ai jusqu'à 19h à peu près. Et parce qu'on mange toujours vers 19h15 ici, à peu près, plus ou moins. Et puis après, le médicament fera effet. Donc ça pourrait être dangereux. Et voilà. Et j'ai déjà fait donc l'étagère juste avec les hentai. Ça, je l'ai fait hier soir. Thank you.
Voilà ce que ça donne. J'ai tout simplement enlevé déjà sur la ligne où il y a stitch. J'ai enlevé la deuxième. À chaque fois, il y a deux couches, donc j'ai enlevé la ligne là. J'ai enlevé la ligne ici. Casé, j'ai laissé parce que de toute façon, la maison d'édition est finie. Pour ce qui est de Kiun, pareil, on voit bien que j'ai retiré la ligne de devant. Pareil pour les éditions Kana, même s'il en reste, parce que tout simplement, j'ai pas la place du coup dans la cave. Là, il n'y a pas eu de changement à part du coup ici, vu que c'était les éditions Pika, j'ai enlevé donc la deuxième couche. Pareil ici, où il y avait aussi du Pika, j'ai enlevé donc là, ce qui était deuxième couche. Les éditions Soleil aussi, le reste ça n'a pas bougé. Voilà. Ici, pour l'instant, donc en bas ça n'a pas changé. Là, c'est encore en bordel. Pour ce qui est de cette étagère là. J'ai laissé comme ça pour l'instant. Ensuite, on a à gauche donc ce qui est Omake Manga,
Kita, je crois que c'est ça le nom de la maison d'édition. Je suis trop loin pour voir, honnêtement. J'ai mis du coup Sasori et Mewtwo, et de l'autre côté, c'est Lapis Lazuli. Pareil pour l'étagère où il y a Yu Yu Hakusho. Au niveau des figurines, on a Noeve Graphics et là-bas Ototo. Ensuite, là où il y a la figurine Chainsaw Man, c'est encore en bordel avec les figurines de Halloween, enfin automnales. Mais à gauche, on a du coup les mangas des éditions Naban. Il n'y a pas tout parce que les autres sont sur le point d'être lus. On a donc à droite juste la pile à lire Glena, qui est surtout la série Chi, une vie de chat. J'ai fait donc deux étagères spéciales Meiyan. Celle du haut, c'est spécial Daitan. Et celle du bas, c'est des mangas, on va dire, normaux. Ensuite, on continue donc sur la nouvelle étagère. J'en ai profité pour faire une pile à lire spéciale Femme Forte et la maison d'édition de... Je me suis changé de place pour que vous puissiez mieux voir. Donc après, c'est une pile à lire spéciale Yaoi, même si du coup, Dreamland n'a rien à faire là de base. On est après sur une pile à lire spéciale Akata. Après, c'était ce qui était là en fait que j'ai déplacé ici tout simplement avec les derniers achats. Pareil, j'ai juste déplacé un peu. Donc là, j'ai laissé tel quel. Ici, pour l'instant, j'ai mis ma pile à lire de manga assez grand en taille. Et le reste, c'est resté pour l'instant vide. Et pour la dernière étagère, pour l'instant, j'ai mis une baguette Harry Potter parce que c'est une étagère qui est un peu plus grande. Donc voilà ce que ça donne. 4 étagères de manga. Les planches, au cas où, font 70 à l'intérieur. Il y a 8 cases normales de 20 cm. Et la dernière, du coup, à chaque fois, fait 25 cm, ce qui permet de mettre les grands mangas. Voilà. Voilà, c'est tout en ce qui concerne les petites infos que vous pourriez me demander. Et bah, ça changera au fur et à mesure, hein, bien entendu. Mais là, pour l'instant, c'est tout.